suis Pape Sidi Diop. Je suis le coordonnateur régional de plan international ici à Saint-Louis. Est une organisation internationale de développement qui a été créée en 1937 et qui est présente ici au niveau de la région du Sénégal depuis 82. Et je pense que la région de Saint-Louis est la première région de plan au niveau du Sénégal. Donc, plan a débuté ses activités au niveau de la région de Saint-Louis avant de s'étendre maintenant vers Bougane, Dakar, Thiès et Kaolack. Actuellement, on a un rayonnement au niveau national. Les missions de plan, je pense que donc, en tant qu'organisation de développement, donc, nous œuvrons beaucoup pour le droit des enfants et je pense que l'enfant est au centre de nos préoccupations. Actuellement, donc, on a vu que de plus en plus dans le monde devient en tout cas un monde de plus en plus jeune, surtout au niveau des pays en voie de développement, particulièrement au niveau du Sénégal. Donc on a mis le focus sur les jeunes, particulièrement maintenant sur les filles. Voilà, et devenu une organisation donc, qui œuvre pour le droit des filles. Et je pense que aussi les jeunes ont une place importante, en tout cas dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place ici. Donc nos missions, c'est d'améliorer la qualité de vie des filles, surtout des enfants qui sont issus des familles vulnérables. Donc, de développer en tout cas la paix au niveau mondial, surtout à travers l'échange culturel, parce que nous travaillons dans un domaine qui est le domaine du parrainage, mais aussi de créer les conditions en tout cas, pour que les familles pauvres puissent se prendre en charge. Qu'est-ce que nous avons réalisé durant les années passées, surtout l'année 2022. Donc, notre organisation au plan international, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a mis le focus sur le droit des filles. Donc, nous avons privilégié donc, l'année passée, compte tenu en tout cas, des ressources qui étaient disponibles, donc, la formation professionnelle et l'autonomisation des filles. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de filles qui ne sont pas dans le circuit scolaire. Et il est de notre devoir aussi d'aider ces filles, de les laisser en rade. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis le focus donc, sur les filles donc, qui sont déscolarisées, qu'on a placées donc, dans des centres de formation professionnelle et qui travaillent et qui sont en train de suivre des formations. Et à partir de ces formations, donc, nous essayons, avec maintenant les programmes de l'État, donc, de les insérer donc, dans la vie active. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, notre réalisation phare, en tout cas en 2022, c'est le projet donc, de renforcement de l'inclusion et du genre. Donc, on a vu que dans les centres de formation professionnelle, il n'y avait pas donc, la cible handicapée, en tout cas, n'était pas prise en charge. Nous avons essayé, donc, autant que faire se peut, de travailler avec les centres de formation professionnelle à travers partenariat avec l'IA de Saint-Louis qu'on a eu à développer qui nous a permis en tout cas, de réaliser en tout cas, des activités dans la sensibilisation, dans l'élaboration de plans d'affaires et le financement de 17 jeunes handicapés. Donc, on a financé le plan d'affaires à hauteur de 500 000 francs pour le plan d'affaires pour leur permettre de développer des activités générales. Donc, je rappelle que ces jeunes handicapés ont eu des formations professionnelles et on les a accompagnés dans le cadre du projet de renforcement de l'inclusion du genre. Donc toujours, donc pour plan aussi, nous avons développé les programmes de protection de l'enfant. Donc avec le CDP au niveau de Saint-Louis, on a redynamisé un peu les comités de départ, les comités locaux, au niveau de phase de PAL, de Gando, de Niemen-Gagnon. Je pense que l'objectif en tout cas de plan, c'était de créer en tout cas les conditions de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant en permettant au CDP d'avoir en tout cas, des organes représentatifs pour des collectivités territoriales. Et ces gens, une fois que ces organes ont été mis en place, donc nous les avons accompagnés par le plan de renforcement de capacité
Donc ils ont été formés par les membres du CDP. Donc toujours dans le travail qu'on a eu à faire, donc, nous sommes beaucoup intéressés aussi au milieu scolaire, surtout en ce qui concerne les questions de santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Donc on a, par le passé, on a vu que les jeunes filles éprouvaient beaucoup de difficultés et de gêne donc, au niveau des établissements scolaires lors de leur période. Donc c'est l'occasion pour nous de les accompagner en leur faisant des formations sur la SRAJ pour qu'elles se prennent en charge, qu'elles puissent savoir aussi, qu'elles puissent connaître donc, davantage leur corps, mais aussi qu'on puisse mettre à leur disposition en tout cas, des serviettes d'hygiène et surtout donc, les mesures pratiques quand en tout cas la période de menstruation vient, donc, qu'on puisse en tout cas, les aider donc, à continuer leur scolarité pour éviter les ruptures. Je pense que ça aussi c'est un élément sur lequel nous avons insisté l'année passée et on a doté en tout cas, beaucoup de serviettes d'hygiène donc, au niveau des établissements scolaires particulièrement dit. Donc dans les perspectives, je pense que par rapport à 2022, je pense que voilà ce que, en tout cas, de façon vraiment, c'est ce que nous avons eu à faire. Mais pour 2022 aussi, nous sommes en train en tout cas, de travailler dans un domaine qui est extrêmement important pour nous. C'est l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision. Et je pense que surtout, le dialogue avec les collectivités territoriales pour que les questions des gens, les questions des jeunes, des séragies, des jeunes, etc., puissent être prises en charge par les budgets des collectivités territoriales. Donc, je pense que nous sommes à une période assez favorable qui fait que, actuellement, en tout cas, on est en train de voter les budgets aujourd'hui. Je pense que les jeunes viennent en tout cas, d'être formés donc, sur les questions de décentralisation, sur les questions des gens. Ils vont tout bientôt, en tout cas, enclencher un processus qui est extrêmement important, c'est le dialogue avec les collectivités territoriales, avec les maires, pour l'implication non seulement des jeunes dans les prises de décision, mais pour la prise en compte des questions des genres et des SRAG dans les budgets, en tout cas des collectivités territoriales. Donc l'autre élément aussi, c'est le renforcement des questions de SRAG. C'est le renforcement des questions de SRAG. Donc au niveau des établissements scolaires, donc, on compte mettre en place non seulement continuer le programme qu'on avait démarré l'année passée avec la dotation de plus de 4000 serviettes, mais former les gouvernements scolaires avec l'IA, en tout cas on compte former les gouvernements scolaires, accompagner les établissements scolaires. Mais surtout, donc, l'innovation c'est de mettre en place une plateforme digitale destinée à la SRAG. Je pense que nous sommes en train dans la conception donc de cette plateforme donc avec nos partenaires, avec Sénégal Academy, avec peut-être l'IA, avec le conseil de l'IA et le conseil en tout cas, du district, qu'on puisse avoir en tout cas une plateforme dynamique qui est animée par les jeunes mais aussi qui va permettre à tout jeune qui en a besoin au niveau de Saint-Louis en tout cas, d'avoir les informations liées à la SRAJ. Donc je pense que ça c'est un chantier sur lequel en tout cas, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train aussi de travailler sur les questions de protection, surtout en milieu scolaire, parce qu'on sait que c'est des questions qui ont des influences, qui ont des impacts, en tout cas sur les apprentissages, sur les résultats. Donc c'est des questions de violence, en tout cas en milieu scolaire, nous intéresse et ça nous permet donc de créer en tout cas les conditions au niveau de certains établissements scolaires pour que les violences des genres en tout cas puissent être vaincu ne puisse pas être un frein en tout cas aux apprentissages mais aussi aux performances. Donc toujours dans ce que nous sommes en train de faire aussi, nous en termes de perspective, nous sommes en train de travailler pour former les filles sur le marketing digital. On sait que de plus en plus, en tout cas, les questions de technologie de l'information, de la communication sont présentes dans les activités surtout commerciales. Si les jeunes filles, donc les jeunes qu'on encadre, ce sont des jeunes sur lesquels en tout cas, il faut leur donner les compétences pour qu'elles puissent en tout cas avoir un levier qui est important. Et ce levier, c'est actuellement, en tout cas, c'est le marketing digital sur lequel nous comptons donc, pour élargir leur marché et puis peut-être
proposer leurs produits donc quand ils auront leur atelier. Donc je pense que c'est des éléments importants. Au service technique aussi, surtout à l'inspection d'académie, aux inspections d'éducation et de formation, au district sanitaire, au régime médical, donc, nous accompagner dans ce que nous sommes en train de réaliser parmi les activités. Parce que notre contribution, c'est la contribution à la réalisation des objectifs qui sont fixés par l'État du Sénégal. Donc ce que nous faisons, nous contribuons en tout cas à réaliser les activités donc, que l'État du Sénégal a pris dans ses programmes. Nous, c'est en tout cas ce que nous demandons, c'est un appui aussi des autorités administratives, des services techniques, des partenaires, des communautés, pour que le plan en tout cas, puisse réaliser en tout cas, ses ambitions au niveau de l'équipe. Donc on demande aussi aux populations de participer pleinement au parrainage